Non, c'est une équipe qui vient de Paris. Là. Ah bon? Ah ouais, mais là on travaille sérieux, là. On travaille avec la télévision, on va faire un film et tout et tout. Ouais. Mais écoute, nous on part lundi, mais je sais pas si on aura l'occasion de se voir parce que là demain on va chasser bien sûr. Ouais. Et voilà, et dimanche on fait le dernier préparatif. Jack Bass, notre hôte et notre guide, vit à Mayotte dans l'océan Indien depuis le milieu des années 80. Chasseur sous-marin depuis son enfance, sa passion a trouvé ici son aboutissement. Le mode d'emploi de son nouvel équipement Made in USA n'est pas sans poser quelques soucis à Christian et Gérard, trop impatients de s'en servir. J'ai essayé de trouver ce qui se passe. Quelques sorties seront nécessaires pour nous acclimater aux longues dérives dans le courant, au comportement du poisson et accessoirement aux rencontres avec les requins. Après avoir exploré les tombants et les platiers de son île, Jack en a un peu épuisé la magie. Fasciné par les grands prédateurs du large qui règnent à l'extérieur du lagon, il a décidé de les suivre au-dessus des grands fonds. Le Grand Bleu est devenu son terrain de chasse. Jack a mis au point une technique simple mais très efficace. Ils se font dans une coulée d'observation et d'attente jusqu'à une quinzaine de mètres. Là, ils restent suspendus dans l'immensité, avec comme seul point de repère un petit poisson d'argent tenu par un fil de nylon qu'il agite de haut en bas. De quel côté va-t-il arriver? Ici, le poisson peut surgir de partout et de nulle part. Sa curiosité naturelle est attisée par ce leurre redoutable que Jack a baptisé le Baron. Une fabrication maison, version française des flasheurs américains, australiens ou sud-africains. Cette simple forme brillante suspendue par un fil de pêche quelques mètres sous le chasseur attire de nombreuses espèces de poissons. Thon, wahou, espadon voilier et requin.
Voilà un thon à dents de chien que l'on rencontre dans le Pacifique, l'océan Indien et dans toute l'Océanie. On l'appelle aussi thon de récif parce qu'il a élu domicile autour des récifs coralliens, entre 0 et 100 mètres de profondeur. C'est un poisson taillé pour la nage et la vitesse. Surgissant du néant, il surprend par son arrivée soudaine. Sur les bons spots, l'attente n'est pas longue, car il est curieux et vient rapidement rendre visite aux chasseurs. C'est un poisson qui pèse en moyenne 15 à 20 kg. Il peut atteindre un poids de 130 kg pour une longueur de 2,50 m. Plutôt solitaire, il ne dédaigne pas faire partie de petits groupes de 2 à 6 individus maximum. Curieux de nature, ne craignant que les requins, il patrouille le long de la barrière corallienne en quête de nourriture. On le reconnaît de loin à ses petites nageoires et à ses 3 petites taches blanches. Son dos est bleu foncé métallisé, ses flancs sont gris argenté. Il n'a pas d'écailles mais une ligne latérale bien visible. Ses mâchoires impressionnantes sont armées d'une quarantaine de dents coniques et acérées qui ne laissent aucun doute sur son rôle de grand prédateur du récif. Voici le waou ou thon banane. Cette pointe d'acier trempé aux rayures bleu cobalt, taillée pour la course en haute mer, le waou atteint une vitesse de 50 km/h. Il fond sur ses proies gueule en avant, armées de petites dents triangulaires très acérées. Un grand waou peut mesurer jusqu'à 2,50 m pour 80 kg environ. À Mayotte, ils font en moyenne entre 25 et 30 kg. Les baleines à bosse viennent se reproduire par ici. Donc régulièrement, au cours de l'hiver austral, elles viennent à partir du mois de mai-juin. Elles mettent bas par ici. Donc on a des regroupements de familles de baleines. Et ensuite, au mois d'octobre, novembre, elles redescendent dans les mers froides. Ouais.
Attends, si elle reste en surface, on va y aller à la pince. Elle va ressortir. Attends, hein. Démarre pas. Non. File, Eric. Non, elle s'en va vers là-bas. Hein. Non, mais là, faudra les rattraper au ralenti pour pas que ça les effraie trop. Là, il faut y aller à la rame, tu vois, pour les. Non, mais le vent nous pousse. Si le vent nous pousse, on va aller vers elle. Hein. Si elle ressort là, on y va à la pince. Oui. Oh putain, ça. Sans calme en plus, hein, je comprends pas. Hein. Ouais. Parce que si tu les fais chier, elles sondent. On essaie les dernières fois de les approcher. Pour prendre ces grands poissons du large, nos arbalètes européennes standards ne sont pas adaptées. Elles manquent de puissance et de solidité. Plutôt que de céder aux armes américaines toutes faites, Jack, en bricoleur méticuleux, s'est fait confectionner une arme alliant puissance et solidité à partir des pièces qui constituent une arbalète traditionnelle. Un fût en bois d'iroko qui allonge et donne de la rigidité à l'ensemble, trois puissances en dos en latex et une flèche soigneusement renforcée au point de faiblesse, comme l'ardillon et les encoches. Ce matériel lui a permis de prendre des poissons plus grands que lui, des thons, des espadons voiliers, de très grosses carangues, des wahou et des tazars. Avant de partir pour le banc du geyser, nous nous accordons 24 heures de relâche pour visiter l'île et régler les derniers détails logistiques. Juste avant d'atterrir à Mayotte, le spectacle de son lagon immense parsemé d'îlots et son relief ourlé de plages de sable blanc et noir nous a consolés de la douzaine d'heures d'avion qui a précédé. Nous voulons remettre ça en ULM. Sous nos ailes, nous admirons la barrière distante de 3 à 15 km de la côte et large de 800 à 1500 mètres par endroit. La profondeur moyenne dans le lagon est de 30 à 45 mètres. Les coraux et les poissons y abondent et au-delà de 20 mètres de profondeur, on peut rencontrer de gros spécimens de mérou. Des arrêtés préfectoraux ont été pris en vue de préserver l'écosystème du lagon. La passe en S que nous survolons maintenant est ainsi devenue la première réserve intégrale, zone de reproduction pour de nombreuses espèces du lagon. À noter qu'à l'intérieur du lagon, la pratique de la chasse sous-marine est formellement interdite. Thank you.
Les tortues vertes font aussi partie de ce patrimoine naturel que la collectivité mahoraise s'attache à protéger. Il est interdit de les capturer, à plus forte raison de les tuer, de ramasser ou de détruire leurs œufs. On a seulement le droit et le privilège de nager avec elles. La tortue verte est l'une des plus belles richesses de l'île. Elle est présente dans pratiquement toutes les mers tropicales et subtropicales du globe. À Mayotte, on estime à plus de 10 000 individus la population régulière. Sur le platier, à quelques mètres de la plage, les tortues viennent brouter les prairies d'herbes marines appelées phanérogames. Elles se nourrissent également de petits mollusques et de crustacés. À l'automne, elles s'accouplent dans les eaux alentour, aussi bien en surface que sur le fond. Après 2 mois d'incubation, les femelles viennent déposer leurs œufs sur la plage, puis elles partent vers l'Afrique en migration saisonnière. Certaines pourtant restent sédentaires. Elles se prêtent assez volontiers à la curiosité et au débordement d'affection de leurs visiteurs. On reconnaît la tortue mâle à la forme de sa queue qui est plus longue et plus massive. Une grosse tortue pèse jusqu'à 140 kg et sa carapace mesure 1,20 m. Elles sont malheureusement encore consommées à l'occasion de célébrations rituelles par les insulaires qui apprécient leur chair savoureuse. Avec le braconnage, ce sont des centaines de victimes que l'on dénombre chaque année à Mayotte. Le rémora est issu de la famille des échinidés dont la nageoire dorsale lamellaire s'est métamorphosée en ventouse. Grâce à elle, il se fixe aussi bien à cette tortue qu'à un cétacé ou à un bateau afin de se déplacer. Une vieille légende est-africaine raconte que pour protéger un village de pêcheurs des exactions de trafiquants sans scrupules, un rémora géant faisait couler leur bateau au sortir de la passe. Dans l'océan Indien, on dit même que les pêcheurs l'utilisent pour capturer les tortues. Ils attachent le poisson ventouse au bout d'une ligne et attendent qu'il aille se fixer sur la carapace de la tortue pour remonter le tout. Légende ou réalité? Je n'ai pas la réponse, mais il est intéressant d'étudier la nature de ces associations étranges qui unissent entre elles des espèces animales si différentes. Si l'on se réfère à l'étymologie latine du mot remora qui signifie retard, tout porte à penser que ce poisson est un fardeau pour tous les êtres marins sur lesquels il s'incruste. Mais il n'en est rien, car ils partagent la vie de leurs hôtes sans leur nuire, et en échange du transport et de quelques reliefs de nourriture, les débarrasse des parasites. Nous n'avons que quelques heures devant nous pour découvrir ces paysages verdoyants et son relief volcanique. Nous sommes d'emblée frappés par cette nature sensuelle et généreuse à l'image de ses habitants. Mayotte est située à l'entrée nord du canal du Mozambique. Elle fait partie de l'archipel des Comores, constitué de 4 îles volcaniques, surnommées les îles de la Lune. Comores signifiant « lune » en arabe. D'une superficie de 376 km², Mayotte comprend 2 îles principales, la Petite Terre et la Grande Terre, et une 20aine d'îlots dispersés dans le lagon. C'est à cause de son littoral découpé qui l'a fait ressembler à un hippocampe que cet animal marin est devenu le symbole de l'île. Les plantations d'ylang-ylang et de vanille font la prospérité de l'île. Mayotte jouit d'un climat tropical très agréable avec une température annuelle moyenne de 25 degrés. 2 saisons rythment la vie. L'hiver austral, une saison sèche et tempérée de mai à octobre. L'été austral, une saison des pluies de novembre à avril. Notre balade se termine à Mamoudzou, capitale économique et administrative de ce département français qui fut une colonie de 1841 à 1946. Au centre-ville, la rue du Commerce, avec sa succession de magasins de tissus, d'artisanat ou de bijoux, et son marché où Jack trouve les fruits et les légumes.
Les femmes portent ces tissus africains superposés aux couleurs chatoyantes et aux motifs infinis. La première chose que l'on remarque en arrivant à Mayotte, ce sont leurs visages couverts d'un masque jaune ou blanc, le tsinzano. Le masque est préparé avec du bois de santal réduit en poudre, contre une pierre de corail et un peu d'eau. Cette émulsion légère et parfumée s'applique comme un produit de beauté hydratant et maquillant. C'est aussi une crème solaire naturelle haute protection. C'est le plus gros que vous avez. Ouais, c'est mon plus gros, ouais. Professeur d'éducation physique au collège de Mamoudzou, Jack s'est largement impliqué dans la vie locale en organisant la très populaire course de pneus qui attire toute la jeunesse de l'île, ainsi que l'édition mahoraise du Festival international du film sous-marin d'Antibes. Bon, tu tires beaucoup plus loin évidemment qu'avec des arbalètes. C'est quand même de la puissance parce que cette flèche est quand même lourde. Hein. Ouais. Et tu l'as la puissance. Avec 300 dos quand même. Tu as 300 dos latex dessus. C'est pas fait pour pêcher profond, hein, l'histoire. Les Américains pêchent ça en surface. Presque un kilo, fait 950. Voilà. Ah, comme c'est lourd, ben, tu vas loin avec. Voilà, tiens, regarde, ce que j'ai acheté, c'est ça. Hein, c'est parfait. Le reste de son temps, il le consacre à la chasse sous-marine. Et cela commence dans cette pièce qu'il a baptisée le labo. T'as les ruisseaux aussi. Oui, ben ça oui, ça. Ils sont fantastiques. Ceux-là, ils sont extraordinaires, oui, c'est tout. Mais ils me semblent un peu légers quand même. Hein. Tu en as déjà cassé? Non. Mais je n'utilise pas depuis longtemps. Hein. Mais par contre, les ardillons, je trouve qu'ils coûtent la peau du cul pour ce que c'est. C'est classique, ça. Ah, hein? C'est quoi, série, ça? Ah ouais, c'est vrai. C'est... Ouais. Non, ils sont bons, mais je veux dire, ceux qu'on fabrique. Ça, c'est la ferraille qu'on tord, et puis après, voilà. Hein. Si tu as de la bonne tôle, il n'y a pas de raison. Jacques est très méticuleux, il ne laisse jamais rien au hasard. Il s'enferme ici pour bricoler, améliorer et vérifier son matériel. C'est un rite préparatoire à toute sortie hebdomadaire et aux expéditions lointaines. Il y a les maquis dans les arbres là. Et les chiens, ils sont très bien. Ah ouais, je vois. Ah ouais. Je voyais comment on traite ces flèches. Il deviendrait fou là. Avec tout le mal qu'il s'est donné pour les faire droites. Ouais. Une fois par an, il organise une expédition jusqu'au banc du geyser. Une immense remontée au large de Mayotte. Cette année, il nous attendait pour partager cette expérience exceptionnelle. Nous en sommes conscients et nous sommes tous désireux de mériter notre place dans cette expédition. Aller là-bas plus souvent enlèverait beaucoup à notre plaisir et à notre excitation. Dans la vie, certaines choses doivent rester rares, dit-il. Voilà. Évidemment, elle tombe. Voilà, la tôle, de la bonne tôle inox de 1 mm. Position haute, voilà, là c'est bon. Excellent. Ça, je me suis estropié la main l'autre jour. Alors les freins de glace, on les dépose là.
Nous embarquerons pour ces 4 jours en haute mer, 400 kg de glace pour conserver le poisson pêché dans la cale de la jonque, 300 litres de fuel pour la jonque, 150 litres d'essence pour le hors-bord, 200 litres d'eau douce pour le confort, 150 litres d'eau potable, 50 kg de victuaille pour nourrir une équipe d'affamés, 50 kg de matériel de prise de vue et tout le nécessaire du parfait chasseur. C'est près de 2 tonnes de marchandises que nous transborderons du canot de Jack à la jonque d'Ernest Clark, notre capitaine et notre seul maître après Dieu dans cette galère. Le désir de vivre l'aventure sous-marine nous fait bien vite oublier toutes ces vicissitudes. Depuis l'hiver dernier, nous avons eu tout le loisir d'imaginer et rêver à cet Éden sous-marin que nous promettait Jack. Nos sorties d'acclimatation avec lui autour de Mayotte ont fait taire nos tartarinades de chasseurs de compétition. L'équipe s'est imprégnée d'un esprit neuf, celui des chasseurs du Grand Bleu. Et ce soir, nous voguons enfin vers le monde des rêves qui a peuplé nos nuits. Alors Eric, tu changes de vie là. Bah écoute Valérie, je vais te dire maintenant, je suis parti, t'as trouvé ça un peu précipité, mais il y avait une affaire à faire. Et tu vois, regarde, tu la verras, j'ai acheté ce bateau, j'ai vendu l'appartement de Saint-Dizier et j'ai vendu ta part, j'ai fait des faux, excuse-moi. Mais je viens te chercher, le temps d'arriver, il me faut 3 mois et j'arrive. Hein. C'est pour ça que j'avais passé mon permis au cours de l'Alma, tu te rappelles? J'y pensais déjà. Sur cette jonque thaïlandaise, hormis une boussole et un vieux récepteur radio, nous sommes dépourvus de tout. L'antique moteur diesel semble presque un luxe. Ce côté retour aux sources n'est pas pour nous déplaire. Le soleil se lève, il est 6 heures du matin, lorsqu'en plein océan nous voyons défiler sous la coque des patates de corail multicolores posées sur le sable bleu. C'est le petit déjeuner. C'est le petit déjeuner en paix, ça. Enculé, le petit déjeuner. On est sur la tête du petit déjeuner, oui, en plus. Oui. Le banc du geyser est un ancien atoll s'enfonçant inexorablement dans l'océan. Il mesure plus de 10 km de diamètre. Putain, le fusil bleu, c'est joli. Bon, s'il y a des requins, je remonte sur la petite barque, hein, parce que là, c'est un peu haut. Un petit banc de sable découvre même à marée basse. Pour cette première sortie au geyser, Jack a entendu notre impatience et nous conduit sur le plus proche tombant. Jack désormais ne veut plus lâcher le fusil Riff. La puissance, la précision, l'efficacité et la solidité de cette arme ont balayé ses dernières réticences. Les essais préliminaires l'ont convaincu d'abandonner son arbalète maison. Bien sûr, le soir, assis dans le carré, il reste partagé.
mais dans l'eau, sa préférence ne fait plus de doute. Un waou répond à l'appel du baron. Jack tire en plein milieu du poisson. La flèche en travers du corps, il lutte avec toute l'énergie de son instinct pour se dégager. Ce remue-ménage alerte un requin posté une cinquantaine de mètres plus bas. En une seconde, il a repéré le malheureux poisson qui se débat. Il s'approche décidé, mais sans précipitation, sûr de son affaire. Il ouvre une large gueule et d'un coup de mâchoire le coupe en deux avant de repartir sans demander son reste. Notre seule consolation dans cette circonstance est de ne pas se sentir responsable de la perte du poisson, comme avec un ardillon arraché, une flèche ou un fil cassé. Ce vaste pinacle en plein détroit du Mozambique ne serait pas ce qu'il est sans la présence des requins. Le requin blanc et le requin tigre ont déjà été signalés dans les parages, mais ils sont plutôt rares. Heureusement pour nous. Ce sont les petits requins de récif qui accompagnent nos apnées sur le tombant. Plusieurs espèces se disputent ce territoire. Peu habitués à la présence de l'homme, c'est plus en prédateurs curieux que dangereux qu'ils nous rendent régulièrement visite. Peu farouches,
Ils se dirigent d'abord sur le baron, mais ils n'hésitent pas à remonter jusque dans nos palmes une fois leur curiosité satisfaite. S'ils deviennent un peu trop insistants, nous battons retraite sans nous faire prier et allons voir ailleurs s'ils n'y sont pas. Quel est celui d'entre nous qui prendra le plus gros poisson? Jacques, Julien, Christian ou Gérard? Loin de nous cette idée de record dite, pas sûr. Seulement un nom dit bien présent dans nos esprits. L'idée d'homologuer les plus gros poissons capturés en chasse sous-marine, comme le font les pêcheurs à la ligne, semble avoir pris naissance aux États-Unis au milieu du siècle dernier. Curieusement, la quête du record devenue très populaire aux Amériques et dans les pays anglophones n'a pas connu le même engouement en Europe. Une des raisons de la popularité des records est que la possibilité de prendre un gros spécimen n'est pas réservée aux grands champions. Nous pouvons tous voir passer un poisson géant à portée d'arbalète. Il suffit de le tirer et parvenir à le sortir de l'eau en respectant un règlement très strict. Les promoteurs de cette éthique sportive disent que les records racontent non seulement l'histoire de notre discipline, mais qu'ils ont aussi une valeur scientifique indéniable. Au début, nous trouvions un peu monotone s'écouler dans le bleu infini, à cause du bleu justement, de l'absence de repères, du manque de relief. Puis peu à peu, la beauté du grand bleu nous est apparue, évidente de pureté et d'absolu. Nous explorons des sensations nouvelles, magnifiées par le chant des baleines. Combien tu dis à l'ost? 35, moi j'ai 40. Ah, ah, il y a un pêcheur professionnel ici. 35, 50. Bon, allez, vous le remontez. Tu as bien dormi, Eric? C'est vrai que ça bouge bien. Ouais, j'ai pas dormi moi cette nuit. Alors. Regarde, comment peux-tu dormir? Une scie qui m'est tombée sur le tibia aussi. Là, je l'ai mise sous le matelas. Ça, ça fait mal. Tu veux avoir avec ça, t'as trois filles qui t'emmerdent tout le temps. Et trois petites enjoineuses là. Bah, c'est quand même le seul qui a trois enjoineuses dans sa cabine et qui a une porte qui ferme. Bah oui. Bah, voilà. Ça fait quand même beaucoup par on rapport. On saura pour la prochaine fois. Il dort pas, mais en même temps. Ouais, une petite mine le matin. Un peu fatigué quand même. J'aime bien tirer de dessus et de trois quarts arrière, voilà. De dessus, légèrement de côté, c'est.
dans le premier tiers. Dans le premier tiers, si possible, la colonne. Plus la colonne. Plus que le crâne. J'ai remarqué que le crâne, c'est très difficile de sécher un temps. Par contre, dans la colonne, si on a le bonheur de taper dedans, c'est imparable. On peut longer effectivement le récif sans prendre le risque d'avoir les bouées qui aillent sur le platier. Le pire des cas, c'est lorsque les bouées vont vers le platier. Si le vent ou le courant amène les bouées vers le platier, ça c'est terrible parce que le poisson fléché va directement sonder, les temps en dents de chien sondent directement. Et si les bouées sont sur le platier, le fil va frotter sur le tombant et là on a de grosses chances de le perdre. Si on regarde la carte, il y a 1250 mètres très proche du tombant. Donc on peut penser que... On n'est jamais au fond vraiment. Non. Au sondeur, le sondeur à 20 mètres du tombant, il est déjà dans le vide. Les tombants de chiens, ils passent là. Maintenant, si on va un peu plus au large, on peut avoir des tombananes, des waouh. Oui, des waouh et puis des voiliers. Et des voiliers aussi, ouais. Des voiliers, des waouh, si on s'écarte un petit peu. À ce moment-là, on est carrément dans le bleu. Mm-hmm. Et lorsque le courant rentre vers le tombant, c'est très bon parce qu'à ce moment-là, on ratisse large. On peut faire voilier et tombanane waouh au large. Et en s'approchant du tombant, on peut espérer rencontrer les tombanes de chiens. Et toute la faune qui est sédentaire sur le tombant, les mérous, les garangues, les barracudas. Grosse surprise au bout du fil. Plus bas, les requins ont prélevé leur part. Vous êtes en train de tirer un bouton de 80 kg là. Oh. Ça s'est bien passé. Ouais. Il est séché. Il y a une chose qui m'intrigue. Est-ce que c'est normal de se mettre à l'eau à 11h pour sortir de l'eau à 14h30 ou est-ce que c'est vraiment à cause des requins? Vous êtes ici pour plonger ou... Pour dire, si vous voulez manger, vous êtes bienvenus, mais pour plonger, c'est là. Bande de peignons. Bien que nous soyons tous tendus vers le même objectif, la prise d'un gros poisson pélagique, nous n'en restons pas moins sensibles à la magie des lieux. Chaque fois que le courant nous transporte du bleu insondable vers ce platier exubérant, nous ne résistons pas à la tentation de le survoler et d'en admirer sa richesse. Les parterres de coraux à perte de vue abritent une quantité infinie d'espèces. Multiplicité des formes et des couleurs, le spectacle est permanent.
De la même famille que notre rascasse, le Pteroïs volitans ou poisson lion est une espèce commune dans l'océan Indien. Ce poisson nonchalant à l'allure inquiétante cache un appétit féroce. Il se blottit à l'ombre des coraux le long des tombants. Il porte deux antennes au-dessus de ses gros yeux. Ses nageoires hérissées d'épines venimeuses lui assurent une protection très efficace contre les prédateurs. Elle représente un vrai danger pour le plongeur qui poserait la main dessus par mégarde. Un groupe de mantas géantes attentifs à notre manège s'approche timidement. Comme pour nous saluer, elle nous offre quelques secondes de balai aquatique. Puis elles disparaissent à tire-d'aile dans le bleu luminescent. Sur une pente sableuse apparaît soudain un thon énorme. Fasciné par le baron, il s'approche sans hésiter car il ne craint personne. Jack descend sur ce monstre. Témoin de la scène, nous retenons notre souffle. Et là, au lieu d'un maelstrom d'éclairs, de câbles tendus, de bouées disparaissant sous l'eau, le poisson géant s'agite de convulsions mortelles, traversées de part en part, l'épine dorsale touchée. Il remonte à la surface, la gueule ouverte. C'est un tir parfait, la leçon du maître. Le visage de Jack est traversé d'émotion. C'est son plus gros ton et peut-être son plus beau coup de fusil. Tu fais ça depuis 10 ans. On va surtout pas prendre la tête. Mettre la queue. En fait, c'est un moment de joie. Hein. Voilà, bien ça. Ma fille. Bien d'accord.
Allez. Vas-y, encore, hein. Écoute, je ne saurais pas dire, moi je pense autour de 60. Hein. J'espère un peu plus. Je pense qu'il fait plus. Hein. Il fait plus, hein. Ouais. Mais j'ai pas trop la notion, tu sais, on n'a pas sorti des dizaines de poissons comme ça. Hein. Ouais, mon idée, ça a été, on va tester le bungee. Ouais, c'est là qu'on va tester le bungee. On l'a pas testé, en fait. Hein. On l'a pas vu travailler le bungee sur du thon de plus de 50 kg. Moi, c'est là que j'attends de voir. Un thon de 50 à 80 kg, je veux voir le bungee travailler. À mon avis, c'est insuffisant. La bouée rouge est de taille insuffisante. Et vu la longueur du bungee, il fait quelle longueur ? 20 mètres. 20 mètres. À mon avis, il faut 2-3 fois comme ça. Disons 2. Ça fait déjà 60 mètres. Oui, non, mais un thon, ça va à 100 mètres en 2 secondes, sans problème, hein, un gros thon. Hein. Et après, tu le retiens plus. Dès que ça a commencé, ta bouée a commencé à se serrer avec la profondeur, après, ça retient plus, il descend. Hein. Là, tu es en train de remonter ton poisson. Ouh, tu vois, derrière, il arrive. Et allez, il en manque la moitié, premier round, il revient, il n'y a plus rien. Voilà. Mais le plus désagréable, c'est quand même, quand tu es en bas, quand tu remontes, tu les trouves derrière. Tu vois, quand tu le vois, quand tu arrives à le situer, bon, tu... Et il faut reconnaître qu'ils arrivent souvent par derrière. Eh ben ouais. Ouais, ils arrivent souvent par derrière. On pourrait lire dans nos regards la muette conclusion de cette aventure. Une fois de plus, la réalité fut plus belle que nos songes. La mer est un royaume fantastique. Nous ramenons des émotions à jamais gravées dans nos esprits. Le soleil disparaît à la proue, nous quittons le récif, cap à l'ouest, retour vers le futur. Tout droit sur Bantralé, ouais. Directement sur Benara, sur le voilier, et discute pas toujours. Moi l'impression c'était là, vraiment cette découverte du gros poisson quoi. Parce que bon, j'ai chassé surtout pas mal de petits poissons, un peu dans toutes les mers. De voir ça vraiment dans un endroit comme ça, c'est vraiment une grande aventure. On peut considérer que c'est une grande aventure. Puis moi j'ai cette image du banc de requin-marteau qui passe tout près et qu'on a tous aperçu. Et ça c'est une impression de force, de puissance. Que rien ne peut arrêter ça, personne, c'est quelque chose de gigantesque. Deux poissons qui m'ont marqué, c'est le tendon de chien et le voilier. Et puis le waou, bien sûr, avec ses couleurs magnifiques. Là, nous, on a quand même remarqué que les waou, ils étaient beaucoup plus gros là-bas qu'ici. Quoi. Ah oui, quand même, hein. Ouais. Il y a tout qui est beaucoup plus gros. Tout est plus gros là-bas, hein. Les tons en moyenne, ils sont plus gros. J'ai remarqué qu'avec les pointes détachables, un poisson qui était touché, pratiquement, il était fini. Quoi. Même avec un tir approximatif, ça permettait de ramener du poisson. Ce qui n'est pas le cas avec une pointe traditionnelle, une flèche traditionnelle. Surtout sur des waou qui sont des poissons à chair fragile. Si le tir n'est pas bien centré, on a très peu de chances de sortir le poisson. Une fois qu'on revient de là-bas, on se dit bon, ici on va plus avoir cœur à chasser. Et le samedi d'après, on est dedans et on n'en peut plus. Là, ça donne le saut après. Oui. Filles, ça va? Ça y est, vous avez fait la photo? Quand ton chasseur sous-marin qui ne craint que les murets ni reste de couler serein, il attend.
sens que ça froid bien. Hé, à la gâchon il est, à la gâchon respiration, à la gâchon il est, à la gâchon fusil harpon, à la gâchon il est, à la gâchon des gros poissons. Il porte beaucoup de plombs, possède de gros poumons. Il se prend pour le héros d'un film de Luc Besson. Et bébé, 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 bon, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. En moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme des yeux. En moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. En moi ça me rend heureux, elle est pleine de poissons, elle est pleine de poissons. Des petits, des gros, des fins, des longs et même des tourons. Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond. Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon. Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas de mourons. Ils ont leurs identités moulons de style et de façon. Les petits mangent les vers et les gros les dévoreront. C'est la chaîne alimentaire, il faut que nous la respections. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. En moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue.